Oh, mon amour! Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tout débute dès l'âge de mes 2 ans. Mes parents m'emmenaient souvent t'explorer, te découvrir. Dès cet âge-là, de mon porte-bébé, j'ai commencé à te parler. Et dans mon souvenir, malgré la différence d'âge, tu me répondais. Et aujourd'hui, je te parle toujours. Comme nous, tu grandis, te déplaces et te tasses. Et le passage du temps te laisse des traces. Ton imposante et spectaculaire taille cache en réalité des instabilités et des fragilités mal comprises. Oh, toi, témoin des temps géologiques, tu relâches tes tensions dans un grand fracas d'avalanches, de blocs et le boue, causant la mort et la destruction dans les vallées. Mon travail de géologue, tel un aventurier, consiste à t'explorer, te découvrir, pour mieux connaître tes faiblesses. Je suis attiré en particulier par l'un de tes sommets, le rocher des Cinq Monts, en vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. Je m'intéresse à ta géomorphologie. J'étudie ta taille et l'évolution de ton relief dans le temps. Ici, tu peux croire que je t'admire. Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Je mesure aussi avec mon antenne GPS. Avec cet appareil, plus de débat pour savoir si tu grandis ou te tasses. J'utilise aussi la photographie pour t'immortaliser sous tous les angles et suivre l'évolution de ta surface. Pour cela, j'utilise un drone et je te modélise grâce à la méthode de la photogrammétrie. De la photo quoi? Attends, c'est très simple. J'intercale mes images les unes par rapport aux autres pour reformer ta belle silhouette. Mais c'est maintenant que se pose le plus gros problème. Comment comprendre les mécanismes internes de tes changements de taille et de forme? Pour cela, j'ai besoin de savoir ce qui se passe au plus profond de toi. Je veux connaître ta composition géologique. Je veux savoir si les roches qui te composent sont dures, molles, déformables, avec des fractures ou des circulations d'eau. Pour cela, on te découpe, on creuse sur 1800 mètres de profondeur. Les humains sont fous, mais pas moi. Heureusement que l'on se parle et que je sais t'écouter. Avec tes dizaines de millions d'années, tu grinces comme nos vieilles articulations, provoquant des petits séismes. En plaçant des capteurs au bon endroit, on peut entendre ton bruit de fond sismique. Ton langage n'est pas simple, mais en l'analysant, il me communique des informations sur tes milieux géologiques. En connaissant tes faiblesses internes et tes grimaces en surface, des zones instables sont identifiées. Maintenant, à nous de trouver des solutions pour nous adapter et appréhender tes formations face à leur vulnérabilité. Ô toi, ma déesse majestueuse, qui était là bien avant nous et qui le sera encore longtemps, oui, je t'aime.